Je vais peut-être, pour commencer, me présenter un peu, puisque je vais modérer ce débat qui va durer pendant une heure et demie. Donc, je suis Evelyne Heutebrook, je suis membre du comité du Parti Vert européen depuis le mois de novembre l'année passée. Je suis députée à la région bruxelloise et conseillère municipale ici à Bruxelles. Et j'étais pendant 10 ans ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de la Jeunesse et des Affaires sociales et membre depuis très longtemps du parti écolo ici en Belgique du côté francophone. Alors, Kalima, je suis aussi au niveau du Parti Vert européen, c'est moi qui suis en charge des Global Greens. Donc voilà, c'est un peu pour ça que Kelly m'a demandé de modérer cette petite conférence. Comme certains d'entre vous, c'est la première fois que je fais ça, donc on va essayer de le faire le mieux possible. C'est assez impressionnant de savoir qu'on est sur plusieurs continents là et à discuter toutes ensemble sur donc la thématique. C'est pendant cette heure et demie qu'on passe ensemble sera la question des femmes en politique, la question des femmes et des Verts, puis vos expériences personnelles et un petit peu les défis. D'abord, peut-être dans un premier temps, vos expériences personnelles, vous présenter, et dans un deuxième temps, c'est un peu les actions politiques que vous menez à différents niveaux. Alors, je propose de commencer avec Carmen, de se présenter, de nous dire quelques mots. Carmen, à toi. Du Canada, là-bas, du Nouveau-Brunswick. Donc, je me présente, je m'appelle Carmen Vidvillian. J'ai travaillé longtemps donc avec le Parti Vert du Canada, mais également, de la façon que ça fonctionne, on est divisé en provinces, donc aussi avec la province du Québec et la province du Nouveau-Brunswick. Donc, juste ici, sur le PowerPoint, vous pouvez voir mes coordonnées. Je vais également demander à ce qu'on la partage, donc comme ça vous allez l'avoir en tout temps. Juste pour vous situer un peu où nous sommes, donc voici la carte du Canada, puis c'est la petite province ici en rouge que vous voyez, donc c'est le Nouveau-Brunswick. On est la seule province en fait qui a un statut bilingue, donc vraiment tout ce qu'on fait doit être fait en français et en anglais parce que on a environ 60% anglophones et 40% francophones, donc on veut vraiment rejoindre tout le monde puis respecter les droits de tout le monde. Donc, juste ici, si jamais ça vous intéresse de venir passer les vacances au Nouveau-Brunswick, vous pouvez voir les belles images et tout de la côte Est. Je vous ai également mis dans la présentation PowerPoint des liens. Donc, un peu, ça vous donne l'information combien d'habitants nous sommes. Donc, nous sommes environ 600 000. Donc, c'est une région très rurale. J'ai longtemps travaillé donc comme organisatrice pour le Parti Vert du Canada, mais depuis 2014, donc je suis la directrice exécutive ici. Brièvement, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Donc, c'est comme ça que j'avais prévu faire la présentation, donc un peu les actions que l'on fait ici dans la région, mais aussi au Canada. Puis après ça, je vais mentionner deux défis pour nous. Les projets de loi sur lesquels nous travaillons en ce moment, donc à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, donc au Canada, on est une fédération, on a le Parlement à Ottawa, mais on a également, des assemblées législatives dans chacune des régions. Donc nous ici, au Nouveau-Brunswick, en ce moment, on travaille sur deux projets de loi, donc on a mis de l'avant. Il y en a un que c'est le projet de loi sur la création d'une économie verte. Donc ici, notre slogan « Économie verte, une idée gagnante ». Donc c'est vraiment de forcer le gouvernement canadien, mais aussi au Nouveau-Brunswick, d'investir dans les technologies vertes. Parce que comme vous le savez, malheureusement, le Canada est très, très, très fort en termes d'industrie pétrolière et des sables bitumineux.
Donc, on essaye de dire au gouvernement, non, il faut aller de l'avant, il faut accorder des subventions non pas aux compagnies pétrolières, mais bien aux petits entrepreneurs ou investir dans les énergies renouvelables. Le deuxième projet qu'on est en train de travailler en ce moment, c'est un amendement à l'acte de l'éducation qu'on a ici. Donc, c'est pour intégrer dans le cursus académique la culture et les langues des Premières Nations. Parce que, comme vous le savez, le Canada a beaucoup de difficultés. Il y a eu la réconciliation, bien sûr, mais pendant des années, et même encore aujourd'hui, il y a énormément de discrimination envers les Premières Nations. Donc ça, c'est un amendement qu'on a introduit qui a été accepté par la majorité des partis. Je vais continuer. Les travaux de notre bureau central, donc ça, c'est le travail un peu plus administratif et partisan. Donc, comme tous les partis, on essaie d'agrandir notre réseau. Donc, en ce moment, nous avons 49 associations de circonscription électorale, donc dans les différentes régions. De la façon dont ça fonctionne, c'est un système malheureusement qui est uninominal, donc ce n'est pas un système proportionnel. Puis c'est vraiment le premier député qui remporte le plus de votes. Bon, mais c'est lui qui rentre au pouvoir. Puis il y a énormément de frustration parce que on n'a pas de représentation nécessairement de façon proportionnelle ou proportionnelle mixte. Donc même si les Verts remportent 6% ou 12% du vote, ben on a seulement un siège. Donc, en ce moment, nos groupes sur le terrain, donc nos associations de circonscription sont en train de travailler avec, à faire des connexions avec les différents groupes régionaux, locaux. Ils sont en train de faire, de bâtir des relations aussi avec les journalistes, les stations de radio, stations de télévision et tout pour essayer d'avoir une couverture médiatique parce que malheureusement ici, au Nouveau-Brunswick, on a un très grand monopole. Donc, c'est une seule compagnie qui est également une compagnie pétrolière qui possède la majorité des journaux et des stations de radio. Donc, c'est très difficile pour nous de se faire voir. Donc, plus les Verts ont des relations un peu personnelles, amicales avec les journalistes, mieux que c'est. Même chose avec les groupes activistes et nos partenaires. Donc, on essaye vraiment que plus les groupes parlent de nous, plus les syndicats parlent de nous, mieux que c'est. Puis, on essaye de trouver des façons originales de partager le travail que font les députés verts parce que nous ne sommes pas beaucoup. Donc, il y a 3 députés régionaux. Il y en a un au BC. Il y a nous, au Nouveau-Brunswick, il y a aussi l'île du Prince-Édouard, qui est une petite île à côté de nous, puis il y a Elisabeth May, qui est la chef du Parti vert du Canada. Donc, on n'est vraiment pas beaucoup, puis on essaye de démontrer aux gens comment est-ce que même avec un seul siège dans un système injuste, uninominal, comment est-ce que les Verts peuvent travailler avec les autres partis, puis tous les efforts qu'on fait. On essaye également d'impliquer les experts au niveau de la rédaction de notre plateforme et de notre manuel de politique. Donc, une décision là que l'on prend comme ça en petits groupes de 5 personnes. Puis également pour nous, qu'est-ce qui est important en ce moment que le head office, le bureau central travaille, c'est de mettre en place les bons outils de communication. Étant donné que le Nouveau-Brunswick est une région très rurale, il faut absolument avoir les bons outils. Même chose pour le Canada, donc c'est très vaste. Donc des plateformes comme celles qu'on utilise aujourd'hui sont vraiment primordiales. On a aussi Nation Builder, que la majorité des ONG et la majorité des partis commencent à utiliser, puis je suggère fortement, donc c'est une base de données interne et un outil de gestion vraiment parfait qui va permettre de développer votre parti.
On travaille énormément aussi à l'implication des jeunes. Donc, je ne sais pas si vous suivez la campagne présidentielle en ce moment aux États-Unis. C'est sûr que pour nous, ça a un grand intérêt. On a vu vraiment Jill, qui est la présidente donc des US Greens, qui a fait un fracas. La même chose pour Bernie Sanders, qui représente quand même la gauche. Puis, ils ont obtenu énormément d'intérêt auprès des jeunes verts. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire au Canada, au Nouveau-Brunswick, c'est de vraiment aller avec ce momentum qui a été créé, bon, aux États-Unis avec la campagne présidentielle puis ici, puis on essaye de vraiment aller impliquer les jeunes et démontrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire puis comment est-ce qu'ils peuvent changer le discours. Ce qui est, je vais juste traiter très rapidement pour le Parti vert du Canada. En ce moment, eux, ils sont en train de travailler sur les comités pour instaurer une représentation proportionnelle. Donc, Elisabeth May, en ce moment, qui est la chef du Parti vert du Canada, est en train de faire le tour donc des différentes villes canadiennes, puis ils sont en train d'écouter les différents experts et les citoyens, parce que le gouvernement donc libéral en place nous a promis que c'était la dernière élection injuste, uninominale. Donc, nous sommes en train de travailler vraiment à instaurer la représentation proportionnelle. Donc, ça, c'est quelque chose de très grand pour le Canada, puis ça va également affecter toutes les régions et les provinces. Donc, voilà. Puis, je vais prendre des questions tantôt. Mais les plus grands défis pour nous, c'est vraiment ce système uninominal, puis qui nous empêche un peu là, de faire élire plus de représentants verts. Donc, je vais prendre les questions tantôt, puis je vais repasser le micro à Kelly, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes. Merci, merci Carmen pour cette première présentation. Donc, c'est sûr qu'on va revenir vers toi, mais là, tu as quand même déjà assez bien résumé les questions et les différents défis. Je retiens en tout cas une chose qui nous occupe, qui est toute cette question de l'économie verte. Il faut savoir que, par exemple, ici, avec le Parti vert européen, on organise une grande conférence sur l'économie verte, sur les sur tout ce qui est aussi les alliances emploi environnement durable, toutes ces questions-là, l'économie circulaire. Donc, je suis assez heureuse de voir que, évidemment, chez vous, c'est aussi une question qui vous préoccupe. La question de la représentation proportionnelle, j'avais entendu en allant au Canada au mois d'août à votre convention que c'était vraiment la question prioritaire si vous voulez avoir une bonne place effectivement dans l'enceinte politique. Et comme tu dis, c'est la communication qui est première. Et donc, comment est-ce que les Verts arrivent justement à pouvoir toucher des publics avec des messages particuliers, avec des publics cibles? Voilà, on reviendra dans un deuxième temps et puis on abordera peut-être aussi la question des femmes en politique. Bon, chez vous au Canada, vous avez une femme qui est présidente. Je crois que j'ai pu voir quand même que vous, comme femme, vous étiez bien présente. Ben, tu nous diras peut-être dans une deuxième intervention justement si les femmes sont bien représentées, si elles s'engagent bien dans les Verts et globalement dans le monde politique canadien. Voilà, on va peut-être passer alors à Marie-Thérèse. On change la de continent, on va au Liban. Marie-Thérèse, donc toi, tu es à la fois politique, à la fois tu es aussi fondatrice d'ONG et membre de plusieurs associations. Donc, un petit peu comme tu peux nous dire un peu et te présenter, nous dire dans quel domaine tu t'investis. Moi, je m'appelle Marie-Thérèse, c'est mon domaine, c'est je suis architecte, ingénieure architecte depuis 30 ans. Et depuis 1993, je me suis rentrée dans le domaine d'environnement et tout ce qui est rapport à l'environnement. Et déjà, je suis membre au Parti vert du Liban, c'est-à-dire Green Party of Lebanon, depuis
Vous voulez parler, vous voulez que je parle un peu de, du Parti vert ou bien vous voulez que je parle un peu de moi-même? Eh bien, je pense que tu peux d'abord parler quand même un peu de toi et puis du pourquoi, puisque tu es une, puisque tu es architecte, pourquoi à un moment donné tu as fait le pas, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, d'aller vers un parti politique. Tu aurais très bien pu te dire, ben, je suis architecte, je développe plutôt. Mais je vais vous dire. Vas-y. Vous savez, on a pas mal de lois au Liban, mais ces lois ne sont pas vraiment exécutées comme il faut. Je suis membre du Ordre des ingénieurs au Liban et je suis membre aussi de la comité de, d'environnement à l'Ordre des ingénieurs du Liban. Depuis que je suis devenue mûre et j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé par travailler, j'ai commencé par, par faire des immeubles, des villas et pas mal de choses, mais j'ai eu beaucoup d'obstacles dans, du côté d'environnement, c'est-à-dire au Liban, on essaie de construire une villa, super villa, on enlève tout ce qu'il y a comme, comme arbre, et, mais on n'arrive pas à les... à remettre à leur place des arbres, c'est des petites choses. Alors, depuis ce moment, j'ai pensé pourquoi ne pas faire une organisation ou rentrer dans des organisations d'environnement et essayer de défendre tout ce qui est, tout ce qui est environnement dans notre pays. Après ce moment, on a commencé par travailler sur le green building, l'habitation verte. Et on a fait pas mal de workshops, dans notre ordre des ingénieurs. Et j'ai travaillé sur l'économie verte aussi. Et jusqu'au moment où j'ai vu que déjà c'est le moment d'avoir un parti politique qui travaille dans le domaine de l'environnement. D'implémenter, c'est-à-dire d'implémenter les lois qui sont chez nous, c'est-à-dire de les suivre comme, comme politicien, c'est pas seulement comme NGO. À ce moment, on a fondé le Parti Vert depuis 11 ans et depuis, on est pas mal de NGO incorporé dans cette dans ce parti vert sur la partition du Liban, sur tous les projets, tous les problèmes que ce soit politique ou bien économique, touristique, tout ce qui est relié au problème environnement. Et vous savez, depuis 5 ans, on a eu le problème des réfugiés. C'est-à-dire les Syriens qui sont déjà, la Syrie est juste à côté, nos bords sont, sont très, très proches. Et on a reçu jusqu'à maintenant plus de 2 millions de réfugiés au Liban. Et on a eu pas mal de problèmes du côté environnement. Et maintenant, c'est là notre grand problème d'essayer de modérer entre tout ce qui est problème d'environnement et tout ce qui est problème politique entre les deux. Voilà. Marie-Thérèse, je te posais peut-être 2 questions. Donc, je suis très, et je suis sûre, je ne suis pas la seule, très intéressée par toute la question des green buildings. Moi-même, comme ministre de l'énergie et de l'environnement, on a stimulé tout ce qui était bâtiment passif, c'est-à-dire sans utilisation d'énergie, avec des bâtiments exemplaires. Et donc, green building, est-ce que pour vous et pour toi, c'est aussi un concept global où on travaille à la fois sur l'énergie, à la fois sur la récupération de l'eau, à la fois la présence du vert autour des constructions, des toitures vertes. Donc c'est vrai, c'est vraiment un concept global. Et tu sens que parmi les architectes urbanistes au Liban, c'est une notion qui se répand de plus en plus.
Vous savez, ça ne devient pas quelque chose de luxueux, le green building. Non, pas du tout. Comme vous savez, après le... vous savez, avec le changement climatique, de plus en plus, on voit que on a le manque d'énergie, le manque de l'eau, le manque de la pollution de l'air et tous ces problèmes qui existent avec toute cette émotion avec la politique et l'économie, le boom d'économie dans le monde. Alors, c'est pour cela qu'il faut aller au green. Oui, les gens, moi, je suis choquée pour le changement climatique, pour utiliser tout ce qui est rapport à l'énergie déficit, à tout ce qui est. Qu'est-ce qu'on fait au Liban? Oui, je voulais savoir si justement Catherine? Le concept d'éco-green, est-ce que c'est quelque chose que dans le gouvernement ou au Liban est bien accueilli ou bien c'est encore tout à fait marginal? En effet, nous, comme groupe du Parti Vert et comme groupe de l'Ordre des ingénieurs, d'implémenter le green building dans nos projets. Et comme architecte, on essaie d'améliorer et d'implémenter ce projet, tout ce qui est rapport au green building dans nos projets d'architecture. Mais il n'y a pas une loi au Liban, non. D'accord. Alors, encore une question, est-ce que le Parti Vert du Liban, est-ce que vous avez des élus à un niveau ou pas encore? Jusqu'à présent, non. Et on a dans les municipalités. Mais dans le Parlement, non. Pas encore. Dans les municipalités, donc dans les élus locaux, vous avez des élus locaux, oui? Oui. Oui. D'accord, d'accord. Et encore une question, puis on en reparlera après. Tu dis que le Parti Vert, c'est, il y a beaucoup d'associations environnementales qui se sont regroupées. Elles acceptent d'être englobées dans un parti, parce qu'en Belgique, oui, par exemple, les... très demandeuses d'être autonomes et indépendantes des partis. Mais chez vous, elles acceptent d'être intégrées dans un parti. Oui. Depuis le commencement du Parti Vert, nous sommes une communauté de NGO qui se sont rassemblées pour faire le Parti Vert du Liban. Par exemple, moi, je suis présidente du Human Environmental Association for Development, c'est une association d'environnement et de développement. Et d'autres amis, la même chose. Tous mes collègues. D'accord. Oui. Alors voilà, on va arrêter avec toi maintenant, on va passer à Catherine. Et peut-être que dans un deuxième tour, comme pour Carmen, on pourra peut-être aborder cette thématique justement de la femme dans la politique. D'accord. Également au Liban. D'accord. Voilà. D'accord. Alors. Oui, Catherine. Catherine, on vient en France là. Voilà, vous êtes dans une, vous êtes aussi avec Europe Écologie Les Verts dans une période très mouvementée. Mais donc, d'abord te présenter peut-être un peu toi, ton parcours et ton action politique, parce que tu es déjà depuis un certain temps en tout cas avec nous dans les Partis Verts. Ben, merci beaucoup à vous d'avoir organisé ce webinaire. J'avoue que j'ignorais totalement ce que c'était et j'ai l'impression qu'on joue encore les pionnières pour trouver des moyens de communiquer. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Je voudrais saluer Carmen, que je ne connaissais pas, mais je connais bien le nouveau Brunswick. Je connais bien l'Acadie et je connais bien, évidemment, Elisabeth May. Donc j'ai vraiment aimé sa présentation. Et puis celle de Marie-Thérèse aussi, parce qu'on parle beaucoup du Moyen-Orient qui est sur une poudrière et c'est chouette de voir qu'il y a encore des forces vives qui continuent à faire beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé aussi ce témoignage sur le passage en fait de l'associatif au politique. Alors justement, moi j'ai commencé dans les années 80, en 84 je m'occupais d'une association de papier recyclé. Et comme beaucoup de gens, c'est le moment où on a fait le pas vers le politique,
c'est-à-dire de décider que finalement l'associatif ne suffisait pas, mais qu'il fallait essayer d'aller dans les institutions, et donc on a créé le Parti Vert. Donc au fil des années, j'ai été membre du bureau exécutif des Verts français, en charge de l'international, puis élue pendant 9 ans, comme toi, Evelyne, au comité donc de la fédération des partis verts européens, puis du Parti Vert européen. Et enfin, j'ai été la coordinatrice des Verts mondiaux, là aussi pendant de longs mandats depuis Canberra, où on a lancé cette structure des Verts mondiaux en 2001. Et finalement, donc, j'ai été élue députée européenne, donc mon seul mandat, après réel externe dans cette vie de militante, de 2004 à 2009. Donc, je crois que, moi je ne vais pas vous parler de toute l'Europe, parce que l'Europe, et notamment la situation des femmes, on y reviendra plus tard, c'est des réalités très différentes. Mais en France, les écologistes, donc, on travaille essentiellement, concrètement, j'allais dire, sur 3 choses que là, on partage notamment avec nos amis d'écolo, c'est-à-dire la transition énergétique, toutes les questions, évidemment, du CAFTA, qui sont les accords commerciaux, hein, qui sont en cours de négociation et qui risquent de bouleverser un peu nos modes de développement. Et enfin, le sujet crucial pour nous en France, c'est évidemment le nucléaire, puisque chacun le sait, nous sommes le pays le plus nucléarisé au monde et que nous ne parvenons pas à inverser la logique comme l'ont fait nos amis des Verts allemands. Et c'est pour nous, j'allais dire, au fil des années, notre plus grand échec. Un échec qui repose, et là on partage peut-être quelque chose avec les Verts du Canada, même si c'est moins dur, mais sur un système électoral qui en France est essentiellement axé sur en fait le système présidentiel et avec peu de proportionnel ou quasiment pas du tout pour les élections générales, c'est-à-dire les législatives. Ce qui fait que j'ai coutume de dire qu'en France, c'est comme si on élisait un roi, tout autour de ça. Donc, on voit qu'on essaye pour nos actions, du coup, et Evelyne l'a rappelé dans son introduction, hein, de s'appuyer énormément sur nos élus locaux, puisqu'on a énormément d'élus locaux, et dans les grandes villes, hein, on a même des maires de villes assez importantes, comme Grenoble, où on essaye réellement de mettre en œuvre nos politiques, et de faire changer donc, les choses par rapport au changement climatique à ce niveau-là. Donc, en ce moment, évidemment, la France traverse, et ça, elle le partage malheureusement avec beaucoup de pays européens, une période qui est vraiment désagréable, qui nous renvoie un peu dans les années 30 avec la montée des extrémismes de droite qui se banalisent, les partis de l'extrême droite se banalisent. Et évidemment, avec ça et le système politique tel qu'il est présidentiel, il y a pour nous une vraie difficulté à faire vivre l'écologie politique à travers un parti. Donc en ce moment, nous avons des primaires internes simplement pour choisir qui sera notre candidat à cette élection. Mais vous voyez bien la pression que nous allons avoir. Elle va être très forte, comme d'ailleurs pour la candidate aux États-Unis, hein, comme ça a été le cas pour Rasmussen il y a quelques années. Puisque, en fait, on va avoir une élection très bipolarisée. Donc, voilà un petit peu rapidement où on en est. Donc, pour conclure, moi, je n'ai pas été réélue en 2004. J'aurais bien aimé, il a manqué 1,5 point, on a fait 12,5, il fallait 14, j'étais en 2e position. J'ai terminé mon mandat en rentrant à pied de Strasbourg au sud de la France, donc pendant 6 semaines avec mon sac à dos. Il m'a fallu des mois pour m'en remettre. Et je pense que dans une deuxième partie, ça nous permettra peut-être, en tout cas cette expérience, de revenir sur quel est le rôle des femmes en politique et la difficulté d'être femme en politique. Et je le dis tout de suite, la difficulté plus grande aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et puis peut-être aussi une piste de réflexion, c'est cette difficulté de passer du politique à la vie civile. En tout cas, pour nous, dans les systèmes tels que nous les vivons,
en France et un peu partout en Europe. Voilà. Merci, merci beaucoup Catherine. Donc on a déjà eu trois interventions, je pense, vraiment très, très intéressantes. On sent que nous avons donc ici plusieurs femmes avec à la fois de l'expérience, à la fois avec un gros investissement, que ce soit associatif ou politique, et aussi qui ont envie de relever des défis. Donc moi je vous propose une deuxième partie où on parle peut-être plus spécifiquement de la question des femmes en politique. Alors avec quelques peut-être questions, pourquoi est-ce que par exemple les femmes se lanceraient peut-être plus dans tout ce qui est associatif et ont du mal souvent à passer dans le monde politique qui est parfois considéré comme étant trop masculin ou pour beaucoup pourri, comme certains disent. Qu'est-ce qui fait obstacle à ce que les femmes aillent en politique? Et puis savoir si dans votre pays, vous pensez qu'il y a quand même une bonne représentation, ou est-ce qu'il y a des outils que nous devons plus utiliser, imposer les quotas? Quel est votre avis par rapport à imposer, que ce soit sur des listes ou que ce soit pour certaines politiques, avoir ce qu'on appelle des discriminations positives en faveur des femmes? Et puis, Catherine l'a un petit peu évoqué aussi, quand on a été élu à certains niveaux, et ça vaut plutôt pour Catherine, comme pour moi d'ailleurs, comment est-ce qu'on revient dans une vie civile? Comment est-ce qu'on peut se réinvestir également? Voilà, ça c'est peut-être une deuxième partie. Et avec alors aussi peut-être une petite question pour chacune. Du côté de Carmen, c'est peut-être, l'accord CETA, TTIP, CETA, surtout pour le Canada, entre le Canada et l'Europe. Chez nous, on a beaucoup manifesté cette semaine contre ces accords. Comment ça se vit là-bas chez les Verts? Du côté de Marie-Thérèse, tu as évoqué la question des réfugiés. Et nous, en Europe, on a quand même été très admiratifs par rapport au Liban, qui a lui seul accueilli beaucoup plus de réfugiés que tous nos pays européens ensemble, et qui pour nous a quand même été assez exemplaire, même si ça pose beaucoup de problèmes. Et puis, Catherine, c'est face à ces extrémismes de droite, comme parfois aussi de gauche, on le vit aussi, comment est-ce que les Verts ont certaines réponses. Voilà, on va lancer ça et puis on terminera, puisqu'il nous reste trois quarts d'heure, on terminera peut-être troisième tour sur, pour vous, les Global Greens, les Verts mondiaux, est-ce que ça apporte quelque chose? Qu'est-ce que vous voyez comme futur et comme avenir pour cette structure? Voilà, on se relance avec Carmen peut-être. D'accord. Donc, je vais parler un peu de la situation des femmes ici en politique. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. C'est difficile dans un système uninominal parce qu'on doit prioriser. Donc, de la façon dont on a réussi à faire élire les députés qu'on a en ce moment, autant au niveau provincial que, avec Elisabeth May, c'est que nous avons vraiment mis toutes les ressources monétaires, au niveau des bénévoles et tout, dans certaines circonscriptions stratégiques, parce que, c'est le premier qui réussit à remporter le plus de votes, mais c'est cette personne qui se fait élire, vu qu'on n'a pas la proportionnelle. Donc, ça crée énormément de frustration. Il y a beaucoup de comtés qui ont été visés stratégiquement pour justement encourager les femmes. Mais étant donné du manque un peu de bénévoles ou des ressources financières, c'est très difficile pour les femmes, surtout qui ont des enfants, se présenter comme candidate, parce que lorsqu'on va rencontrer les citoyens, lorsqu'on va faire du porte-à-porte, ça prend une gardienne, ça prend du support, au Nouveau-Brunswick, étant donné que c'est un peu plus rural, plus conservateur et très religieux. Donc, les grandes familles, il y en a beaucoup, c'est encouragé même. Les candidates ici, comparativement au fédéral, ont eu un peu
moins de difficultés, étant donné qu'elles avaient énormément de support. Donc, par exemple, on a quand même une candidate dans le comté de Kent Nord qui a fini en deuxième place, puis on a aussi une autre candidate qui a fini en troisième place. Puis, il y a eu également un peu plus de femmes qui ont participé, qui ont été, bon, des candidates fortes et tout, qui ont fait, bon, des grandes campagnes. Mais vraiment, ressources monétaires, puis également parfois, bon, le manque de bénévoles, il faut prioriser, puis voir avec la stratégie, bon, on met les efforts où. Donc, vraiment, pour nous, ça serait génial, puis bon, la proportionnelle. Donc, vraiment, là, de se débarrasser du système uninominal, on croit que ça va justement attirer plus de femmes. Peut-être encore un petit mot sur le CETA. Oui, donc ici, je vais parler vraiment point de vue Nouveau-Brunswick parce que je suis à temps plein ici depuis un an et demi. Donc, au Nouveau-Brunswick, nous, ça nous affecte. On a essayé d'introduire un projet de loi sur la sécurité alimentaire. Donc, le but, c'était vraiment d'encourager et de subventionner les petits producteurs. Donc, les fermiers locaux et tout. Puis bon, c'est sûr que avec le CETA, ben il y a certaines frustrations au niveau des fermiers parce que là, ben il y a un manque de subventions. Les subventions vont être coupées. Est-ce que les fermiers justement européens vont être priorisés bon sur les fermiers locaux? Donc il y a vraiment énormément de difficultés au niveau de la ligne entre ouais, ben il faut encourager nos produits locaux, mais en même temps, bon, le gouvernement veut introduire plus de compétition sur le marché. Donc, ça a été ça pour nous, la frustration vécue ici. OK, merci. Merci beaucoup, Carmen. Marie-Thérèse? Oui, je suis là. Voilà. Alors, cette question des femmes au Liban, j'imagine qu'elle est très présente aussi, pas uniquement dans le monde politique, mais peut-être aussi dans le monde économique, toi qui viens comme architecte. Voilà, est-ce que c'est facile pour une femme dans la société libanaise de se faire une place? En tant que responsable du média du Partisan du Liban et comme tous les citoyens libanais, nous avons d'énormes responsabilités. Notre pays est menacé par de multiples crises et nous devons être prêts à y faire face. Nous avons besoin que les conditions de vie et les droits humains soient respectés dans notre pays. Alors, j'ai écrit un peu ce qu'il faut par rapport à la femme dans la politique. Laissez-moi un peu introduire ce que le Parti Vert est en train de faire au Liban. Notre parti est une... Vas-y. D'accord? Notre parti est une véritable alternative à toutes les idéologies traditionnelles qui sont gravées dans notre société, à un énorme et grave sentiment de responsabilité d'être un animateur de cet espoir. Le Parlement actuel du Liban a 128 députés, soigneusement répartis entre chrétiens et musulmans. Vous savez, au Liban, on a 17 entre chrétiens et musulmans, c'est-à-dire communauté. Oui. Cependant, il y a seulement 4 femmes députées, ce qui fait 3% seulement. Pendant ce temps au Liban, les femmes continuent d'être victimes de discrimination. C'est ça ce qu'on a, le grand problème maintenant au Liban. Discrimination dans le droit de la pratique et lutte contre la violence sexiste. C'est un grand problème pour nous. Chez nous, les femmes libanaises demeurent incapables de transmettre leur nationalité à leurs maris et à leurs enfants. Et le Parlement a échoué à passer un projet de loi incriminant la violence familiale et surtout la violence conjugale. Par exemple, ces deux dernières années, il y a une affaire de 10 femmes qui sont mortes par son mari, par leur mari. Notre structure politique a toujours été dominée par les hommes.
et la culture politique patriarcale est évidente dans notre Parlement, les ministères et les municipalités. Et travailler. C'est pour cela que les organisations des femmes sont appelées aujourd'hui de faire entendre la voix des femmes dans la vie politique et mobiliser le soutien de celles qui présentent leur candidature, indépendamment ou représentant des partis qu'elles soient. Les femmes constituent la moitié de la population mondiale, comme tout le monde le sait, mais elles continuent d'être insuffisamment représentées comme membres électeurs, dirigeants politiques et élus. La cause, Parti Vert Libanais, estime que la participation équitable des femmes dans la politique et le gouvernement est essentielle à la construction et au maintien de la démocratie. Parti Vert du Liban crée un environnement où les femmes peuvent défendre les questions politiques. Et le gouvernement est essentiellement à la construction et au maintien de la démocratie. Les obstacles à la participation politique sont nombreux, mais quelques-uns sont plus évidents. Le manque du soutien public, même dans les démocraties les plus développées, on remarque le manque de soutien des partis politiques, manque des moyens financiers, de possibilités de renforcement des capacités d'accès à la technologie et le fait qu'il est souvent physiquement dangereux de faire partie des processus politiques parce que la femme, parfois elle est enceinte, parfois, vous savez, les problèmes des femmes. Pour aider les femmes à surmonter les obstacles, l'une des approches les plus percutantes de mon expérience est la propriété locale de ces efforts d'assistance. Parti Vert Libanais travaille en collaboration avec les organisations des femmes, mettant l'accent sur le renforcement de l'autonomisation politique des femmes, leur leadership, et encourage les femmes entrepreneurs à solliciter des fonctions politiques. Au Liban, la moitié des étudiants universitaires sont des femmes. L'éducation des femmes leur permet d'être actives dans l'économie, la médecine, le droit, le milieu universitaire, les arts et les entreprises. Mais malheureusement, peu de femmes ont obtenu des postes supérieurs dans leur domaine. Bien que la constitution libanaise donne des droits égaux aux hommes et aux femmes, et bien que les femmes aient une assez bonne participation dans de nombreux domaines, elle continue à être exclue des institutions politiques et de la prise de décision. Cette expulsion est due à de nombreux facteurs qui peuvent être améliorés si des mesures appropriées sont prises. Vous voulez que je continue ou Ça dépend si tu en as. Pas tellement. Je voudrais parler de la discrimination des femmes libanaises. Et c'est le problème le plus courant au Liban. Tu peux continuer. Et puis ce qui serait intéressant, c'est que si tu as un texte, tu puisses aussi l'envoyer à Kelly, parce qu'on pourra aussi le partager. D'accord. La discrimination contre la femme a de nombreux motifs au Liban. Tout d'abord, elle est sociale. Les femmes ont participé dans le domaine public. Les parents n'élèvent pas les filles avec l'idée qu'elles seront des politiciens dans le proche. Les croyances et la pratique chez nous religieuse donne à la femme un rôle d'un subordonné, ce qui aggrave la situation. La discrimination contre les femmes est évidente dans les programmes nationaux et dans les pratiques éducatives. La discrimination contre les femmes peut être annulée quand les mesures appropriées sont prises à tous les niveaux. Qu'est-ce que le Parti Vert a fait? Le Parti Vert
a lancé une très grande campagne pour sensibiliser et changer la mentalité dominante sur le rôle des femmes et l'importance de leur participation à la prise de décision et dans la politique. En même temps, il est important de convaincre le gouvernement et le Parlement d'adopter une loi qui réserve un certain nombre de sièges pour les femmes, à la fois dans le Parlement et dans les institutions publiques et privées. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. C'est intéressant. Et donc, si tu peux envoyer ce texte, et peut-être si vous avez lancé une campagne, c'est justement quelque chose que les Global Greens peuvent diffuser à travers leur lettre d'information. Donc, si tu as des outils pour cette campagne, n'hésite pas vraiment à les envoyer, d'accord? Sûrement. Voilà. Je voudrais faire une petite conclusion. Oui? En conclusion, bien que les lois donnent des droits égaux aux hommes et aux femmes de participer et de pratiquer la politique, la réalité montre qu'il existe une discrimination contre les femmes à cet égard. La démocratie ne peut pas être offerte à tous les citoyens si la moitié de la population reste sous-représentée. Enfin, nous remarquons que les pays respectant l'égalité des sexes ont une meilleure croissance économique. Les entreprises avec plus de femmes leaders réussissent mieux. Les accords de paix qui incluent les femmes sont plus durables, les parlements avec plus de femmes adoptent une législation plus sur les questions sociales clés comme la santé, l'éducation, lutte contre la discrimination et la protection des enfants. La preuve est claire, l'égalité des femmes est symptôme de progrès pour tous. Voilà. Merci Marie-Thérèse. Et alors, il sera bien de partager parfois aussi les outils qui sont présents dans certains pays. Par exemple, chez nous en Belgique, maintenant, c'est dans la loi, c'est obligatoirement sur une liste électorale, il y a le système qu'on appelle de la tirette. Alors, la tirette, c'est quoi? C'est avoir une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme sur les listes, obligatoirement. Qu'est-ce qu'on cherche à avoir au Liban? Voilà. C'est ce qui a été obtenu en tout cas maintenant depuis quelque temps en Belgique et maintenant c'est obligatoire, effectivement. Merci. On va revenir chez Catherine en Merci. France. Merci à tout à l'heure. On reviendra vers toi. Chez Catherine aussi, ben toi aussi, cette question des femmes là en France et Europe Écologie Les Verts et puis un petit mot peut-être sur la question des extrémismes. Alors, chez nous, la tirette, ça s'appelle la fermeture éclair. C'est une très bonne idée, mais en fait, ça ne suffit pas parce que, en fait, si on met un homme à chaque fois en tête de liste, au final, on a quand même d'hommes élus. Bon, mais c'était vraiment une petite anecdote. Alors, en Europe, et ça sera peut-être mon seul chiffre européen, mais on avait fait campagne là-dessus, les femmes européennes, il y a un chiffre qu'on peut retenir, qui est le chiffre de 18%. C'est en réalité le salaire moyen à travail égal, donc le salaire en moins que gagnent les femmes à travail égal quand elles font la même chose qu'un homme. Et ça nous montre bien que même si dans nos textes et dans nos lois partout en Europe, il y a une égalité affirmée, on est loin du compte. Alors ceci étant dit, il y a des disparités très grandes évidemment entre la Scandinavie où là je pense qu'on peut réellement parler d'égalité, que ce soit dans le monde économique et encore plus dans le monde politique, et dans les pays du Sud où le poids de la société est, j'allais dire toujours très fort, mais j'allais dire redevient encore pire. Tout à l'heure, Marie-Thérèse a évoqué les questions de violence par rapport aux femmes. Ben, en France, par exemple, c'est une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son compagnon ou de son mari. Et c'est un sujet totalement tabou, on n'en parle pas. Pour revenir à la question malheureusement, oui, de parité ou de quota. Alors, c'est vrai que nous, les partis écologistes et nous, les Verts, j'allais dire, on est mieux lotis, dans le sens où, depuis la création de nos partis, les parités sont inscrites dans nos statuts et qu'il y a une certaine réalité qui prouve, qui montre, par exemple en France, que
nous avons autant d'élus députés femmes ou sénatrices femmes que d'hommes. Donc, c'est vrai que on peut s'en satisfaire, mais j'allais dire que il y a une vraie réalité qui est quand même différente. Pour la question des quotas, moi je suis formellement pour les quotas. C'est une nécessité, c'est-à-dire que si on ne met pas en place des quotas dans des mondes où les femmes n'ont pas eu l'éducation et la tradition depuis des centaines d'années à participer à la vie politique, et dans des systèmes de plus où il y a des cumuls de mandats, sans quotas, il n'y a pas de femmes élues, il n'y a pas de femmes en responsabilité. C'est par le biais des quotas, même si on pourra dans quelques années se réinterroger sur cette question-là, qu'on permet à une génération d'être formée et d'être en situation et du coup d'avoir la possibilité ensuite de réellement se reposer sur les choix. Alors, je disais que ceci dit, les quotas, la parité, ça ne suffit pas. Je vais essayer d'avoir de l'humour parce que sinon ça peut être pesant, mais est-ce que même nous, finalement, verts européens, on n'a pas appliqué une parité de façade? Moi, j'ai le souvenir de mon expérience au groupe du Parlement européen où, certes, nous étions le seul groupe à avoir une coprésidence homme-femme. Alors, c'était vraiment formidable. Sauf que quand on regarde dans le détail, l'homme, un brillant homme au demeurant qui s'appelait Dany, était en charge des discours politiques et la femme, Rebecca, de l'organisation des débats. Donc, vous voyez bien que et je le dis avec humour, mais on retrouve très souvent ce genre de partage. Donc, il faut creuser un peu plus loin. Le point sur lequel, moi, je me suis interrogée quand vous m'avez demandé à participer à ce débat, c'est pourquoi c'est si dur pour nous, les femmes. Je vais le dire, c'était beaucoup plus facile quand on a commencé notre vie politique. C'était plus facile dans les années 80. Pourquoi? Parce que les partis verts sont nés, en partie, des mouvements féministes. Donc, on avait cette grande vague, ce mouvement dans notre création, où on mettait la parité dans les statuts. Et aujourd'hui, on a un vrai retour en arrière. Quand je dis qu'on a un vrai retour en arrière 20 ans, 30 ans plus tard, c'est à la fois un retour en arrière dans nos sociétés, et ça a été évoqué par ma collègue du Liban, mais on vit finalement tous la même chose. Un retour en arrière dans nos sociétés avec la montée des religions, la montée des communautarismes, et c'est toujours les femmes qui en payent l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans les débats qui ont eu lieu et qui nous ont mis tellement mal à l'aise dans nos pays, en France en particulier, le débat sur la question du voile. On voit que la montée des religions et des communautarismes accentue la position des femmes objets, et en même temps, alors qu'on est contre cet état de fait, on est obligé de les défendre parce qu'elles sont stigmatisées. Donc il y a ça, ce premier élément qui est très fort dans le retour en arrière. Et le deuxième élément qui est historique, bon, j'ai 56 ans. Moi, j'étais adolescente dans les années 70, en 75. C'était quoi les années 75? C'était une génération très politisée. On luttait contre l'apartheid, contre Franco en Espagne, contre ensuite les militaires en Argentine. C'était une société où notre engagement avait comme valeur numéro un la solidarité. Et aujourd'hui, donc, ça crée des rapports entre hommes et femmes qui étaient des rapports égaux, des rapports solidaires, des rapports sains, et en tout cas on tendait vers un changement de société. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, nos adolescents, ils sont passés à la moulinette d'un système éducatif et d'un système dans une société d'individualisme, de compétition qui a renforcé des rapports inégalitaires. Et des rapports inégalitaires, du coup, encore plus entre hommes et femmes aussi. On a vu même chez les écologistes des questions maintenant dans la presse de harcèlement sexuel, enfin des choses hallucinantes qui montrent que c'est encore plus dur quand on est au pouvoir. Hein. Alors, j'aimerais mieux le faire avec humour, parce que sinon c'est difficile au bout d'une vie politique de se dire mince, où est-ce qu'on est arrivé, quoi. Mais je vais juste vous citer trois toutes petites anecdotes de mon mandat qui, j'espère, vont vous faire rigoler. Quand j'ai été élue députée européenne, donc en 2004, moi j'ai fait le choix d'embaucher des femmes, donc des jeunes femmes
qui avait fait Sciences Po, donc brillantissime, bien plus que moi. Et j'ai un collègue masculin qui est arrivé dans mon bureau, qui m'a regardé et qui a dit « Mais tu n'as embauché que des secrétaires ». Donc je crois que c'est une anecdote qui montre bien la difficulté de la place des femmes dans la société, dans la vie politique. Et ensuite, j'ai vécu des choses beaucoup plus dures. Au moment de la campagne pour mon élection, les militants de ma région m'avaient choisi pour être en tête de liste. Et y compris mes collègues femmes, c'est ça qui est très dur à vivre, m'ont demandé de me ranger derrière l'homme plus connu. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre, mais c'est très révélateur, en fait, de nos sociétés. C'était une évidence. Il fallait que je me range. Et pour vous dire jusqu'à où j'ai vécu, moi, ce qui passait comme inaperçu, c'est là où je dis qu'il y a une régression. Nous avons choisi, alors quand j'ai dit nous, non, pas moi, comme concert de clôture de campagne européenne, les Verts, Europe Écologie Les Verts, dans notre région, un concert avec un chanteur très connu qui a fait 6 ans de prison pour avoir assassiné sa femme sous des coups. Donc vous voyez bien tout le chemin qui nous reste à parcourir pour véhiculer d'autres valeurs. Donc j'ai raconté juste quelques petites anecdotes, mais pour vous dire que je crois qu'on a vraiment non seulement encore un chemin très grand, mais à mon sens on est revenu en arrière pour beaucoup de raisons. Et là je le vis de plein fouet à la fin d'un mandat en réalité, vous avez été élu politique à un haut niveau, à un niveau de député, mais tout mandat politique est le même. Je pense qu'une élue locale, c'est la même chose. Ça veut dire, en réalité, 24 heures sur 24 de travail. Ça veut dire que nous, en tant que femmes, moi, j'ai 3 enfants. Donc, avec, c'est vrai, un mari formidable, et on a fait le vrai tourniquet. Mais la société autour de nous s'attend à ce que nous remplissions notre rôle de mère. Quand on habite un petit village à la campagne, les gens n'osent pas vous dire quelque chose tant que vous êtes député ou ministre, évidemment. Mais le jour où vous n'y êtes plus, vous êtes complètement mis au banc de la société, vous n'existez plus. Et donc, il y a toute cette difficulté aussi, qui, je pense, est encore plus dure pour nous femmes, enfin, je ne sais pas, mais parce qu'on a été condamnés dans notre mandat par la société, de pouvoir se réinsérer dans cette société après. En tout cas, moi, je dois vous le dire tout de go, je n'y arrive pas. Voilà. Ok. Tu m'entends? Oui. 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 Donc, Béatrice, il faudra vraiment qu'on en reparle toutes les deux, peut-être un prochain conseil, ça m'intéresserait, parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre toi et moi, d'abord à peu près l'âge, sauf si j'ai 2 ans de plus. Mais aussi parce que, ben voilà, je suis passée de 10 ans ministre à députée de l'opposition. Mais je pense d'abord, un, que tu n'es pas au bout de ta vie politique et que je pense qu'il faut, à un moment donné, essayer de voir où on peut retrouver de l'énergie. Et je suis sûre que tu vas trouver sûrement un moyen aussi de retrouver une dynamique quelque part, qu'elle soit politique ou associative. Pour en revenir à la question des femmes, parce que je peux m'empêcher, même si je suis modératrice, de quand même commenter certaines choses. Quand tu dis dans une coprésidence, nous avons aussi des coprésidences hommes-femmes, est-ce que c'est toujours l'homme qui prend le rôle politique et la femme administrative? Je ne peux pas tout à fait le partager. Nous avons une coprésidence pour l'instant homme-femme où c'est clairement la femme qui a le message politique et je dirais que c'est l'homme qui a le côté plus administratif. Donc je ne suis pas sûre que ce soit vraiment généralisé. C'est pour ça. Je crois que j'ai peut-être des accents plus positifs. Là où je te rejoins, c'est effectivement la montée, un retour en arrière sur la montée des communautarismes. Nous le vivons dans nos quartiers, chez nous aussi, et la montée du fait religieux. L'un va souvent avec l'autre. Et ça pose de véritables questions, et vous les Français comme nous les Belges, nous l'avons vécu en tout cas dans nos centres-villes et dans notre chair ces derniers mois. C'est vrai qu'il y a ça. Là où je te rejoins moins, c'est sur le fait que les jeunes d'aujourd'hui, contrairement à nous, et j'étais aussi jeune dans les années 70, n'ont plus de, au moins, moins ce feu
du militantisme. J'ai justement l'impression que pour l'instant, on assiste à des jeunes qui se lancent dans des quartiers durables, qui se lancent dans des comités de quartier. Nous avons pas dans la politique. Quoi? Oui, des jeunes engagés, mais pas dans la politique. Mais oui, mais ça alors, je pense, mais on ne va pas lancer ce débat, on le relancera. Je pense que c'est peut-être pas à eux qu'il faut poser la question de savoir pourquoi ils ne vont pas en politique, c'est à nous, politiques, de savoir pourquoi ils ne le font pas, alors qu'ils sont justement dans des tas de mouvements citoyens aujourd'hui qui sont très très forts, comme toute autre chose, comme des tas de mouvements, ou encore, il faut se demander pourquoi ils vont vers des partis qui sont plus extrémistes. Nous ici, en Belgique francophone, c'est plutôt vers l'extrême gauche, par exemple. Où on retrouve, ou bien on peut citer Podemos, on peut citer d'autres mouvements qui pour l'instant attirent plus peut-être les jeunes que les verts, mais ça c'est une vraie question que nous écologistes on doit se poser aujourd'hui. Je vais peut-être pas lancer le débat ici maintenant, mais ce serait quand même assez intéressant. Il nous reste un quart d'heure. Est-ce que je peux vous relancer maintenant sur les verts, les Global Greens? Et de chez vous, du Canada, du Liban, de France, comment vous voyez ça? En n'oubliant pas que, par exemple, fin du mois de mars, nous aurons ce grand rendez-vous, j'espère vous rencontrer, qui sera le congrès à Liverpool, à la fois des Global Greens, des Européens et des Français. Et donc, pour vous, ça signifie quoi de faire partie des Global Greens et comment est-ce qu'on peut mieux avancer dans les mois et les années qui viennent? Je retourne vers Carmen, peut-être. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? En fait, puis ça, c'est quelque chose de très, très, très important au niveau de l'engagement des jeunes en politique. Surtout au Canada, c'est sûr, on s'intéresse énormément à ce qui se passe aux États-Unis. Puis, on peut voir avec la campagne phénoménale et historique de Bernie Sanders combien de jeunes ont été impliqués. Ça a été, je veux dire, c'était un candidat que l'aristocratie ou peu importe les corporations américaines n'ont pas nécessairement, ne l'aiment pas, en fait. Il représente vraiment la gauche. On a vu là, la montée, c'était incroyable. J'ai eu l'occasion de faire un peu de bénévolat pour sa campagne. Donc, on plaçait des appels, j'ai fait quelques appels et coordinations dans l'État de New York. Puis, c'était fou le nombre de jeunes qui étaient dehors en train de faire des appels du porte-à-porte. Les jeunes en ont marre, mais plus que marre, et surtout au Canada et aux États-Unis, parce que nous sommes vraiment la première génération à n'avoir aucun bénéfice, à vraiment gagner moins que nos parents, travailler plus, pas de sécurité. Donc vraiment, en ce moment, il y a un mouvement jeunesse qui résonne énormément au Canada et aux États-Unis. Puis, on l'a également vu au Québec, à Montréal, avec la grève générale étudiante. Donc, ils ont réussi, puis avec les syndicats aussi, à bloquer le centre-ville de Montréal, donc le paralyser complètement avec 500 000 personnes dans les rues. Donc, vraiment, je crois que ça, à ce niveau-là, ça barde un peu ici parce que, bon, ils en ont marre. Puis, au niveau des Global Greens, c'est très intéressant parce que lorsque j'ai parlé avec le secrétariat, je sais que vous travaillez, bon, un de vos, de votre campagne en ce moment, c'est la démocratie. Donc ça résonne parfaitement avec la représentation proportionnelle, bon, qu'on essaie d'avoir ici au Canada. Quelque chose qui a fonctionné et, il faudrait parler aussi avec le head office à Ottawa, mais lors des débats qu'il y a eu durant la campagne fédérale en 2015, le Parti vert canadien, on a fait exploser Twitter, on a fait exploser donc les médias sociaux parce que vraiment, c'est les seules plateformes qu'on a pour se faire voir.
Donc, qu'est-ce qui serait intéressant dans le mois de décembre ici, le comité parlementaire qui est en charge de la représentation proportionnelle va déposer leur dossier après toutes les consultations publiques qu'ils ont faites. Donc, je crois que ce serait intéressant si les Global Greens font une espèce de journée d'action sur les réseaux sociaux puis qu'ils encouragent le Parti vert du Canada puis bon leurs collègues à justement bombarder le réseau avec une campagne sur la représentation proportionnelle, par exemple. OK, merci Carmen. C'est une assez bonne idée. Donc on va la retenir et puis te dire déjà qu'il sera une journée pendant donc le congrès de Liverpool qui sera décerné aux questions de démocratie. Il y aura donc une journée sur les questions climatiques, une journée sur les questions de démocratie et une journée sur plus de tout ce qui sont les questions de justice sociale et les questions d'une taxation plus juste. Donc vraiment, démocratie, ça fera partie et ce sera intéressant justement que les Canadiens puissent venir de leurs expériences et de leurs combats chez vous pour une meilleure représentation. Alors, Marie-Thérèse, pour toi, les Global Greens, ça signifie quoi et tu attends quoi? Moi, j'ai aimé parler un peu du réfugié au Liban, j'ai aimé la question, mais tant qu'on n'a pas le temps, on en parlera peut-être plus tard. Pour le Global Greens, ce que Carmen est en train de dire, c'est très intéressant. Surtout de faire une journée où tous les greens du monde peuvent être là à participer, à avoir leur expérience, à combattre un problème qui est le problème de la femme partout au monde, le problème politique, le problème de la démocratie, le problème de la participation de la femme dans la politique. Ce sera très intéressant. Et nous, comme Parti vert au Liban, nous serons honorés d'être membres et de participer avec cette journée, d'être donner ce que nous pouvons. Vous savez, le problème du Liban est assez politique, économique, sociale, partout, du problème des réfugiés et de ce qu'on a au Liban. D'accord. Merci, Marie. Bien. Vous m'entendez? Oui, parfois tu disparais, mais ça va. On entend tout. Vas-y. Dans la politique, j'aimerais bien, si c'est possible, pour le Green Globe, s'il y a possibilité d'être une question globale, c'est-à-dire c'est pas seulement pour nous les Libanais, c'est-à-dire pour toutes les femmes qui n'ont pas la vie politique et qui sont capables d'y être là. Puis la question du quota au niveau international. Ce n'est pas seulement au niveau national ou américain ou européen ou asiatique. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, tu m'entends, hein? Oui, maintenant. Oui, évidemment, l'idée et l'objectif quand on faisait ce webinaire avec des femmes de partout, c'était de confronter nos expériences, c'était d'échanger sur ces questions de femmes qui sont vécues peut-être différemment dans différents pays et où il y a des réponses qui peuvent par exemple être utilisées. Donc c'est vraiment un échange à la fois de pratiques et à la fois un échange d'expériences. Sur la journée où on communique, moi je ne peux que t'inviter aussi à venir à Liverpool parce que je pense que cette question justement des femmes, de l'implication des femmes, de la représentation des femmes en politique, pourrait être l'un des débats lors de cette journée que nous allons faire sur les questions de démocratie. Donc, il y aura une session parallèle aussi avec le groupe des femmes, entre autres Meria
Kankkonen, qui est d'ailleurs au Parti vert européen et qui suit les Global Greens. C'est entre autres qui organise ça. Donc, il y aura une occasion encore de mieux partager au-delà du moment de rencontre qu'on a eu là maintenant. Alors, c'est quand ça? Il ne faut pas oublier que ce sera donc le 30, 31 mars et 1er et 2 avril à Liverpool. D'accord. Et donc, nous comptons aussi pour y venir. Le programme va commencer à être envoyé, mais on n'a pas encore les noms des participants, mais on sait qu'on aura donc 4 jours avec des séances plénières, sessions parallèles, avec la question climatique, la question de justice sociale et les questions de démocratie. Et la question de la femme sera dedans également. Aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion, elle était prévue d'avoir une femme africaine. Normalement, on avait Fatimata Touré qui était présidente du Parti écologiste malien. Malheureusement, hier, elle nous a dit que ce n'était pas possible. Mais je pense que du côté des femmes africaines aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Alors Catherine, à toi, les Global Greens, que tu connais bien puisque tu as été au comité à la place où je suis pendant des années. Oui, bah écoutez, c'est vrai que les Verts mondiaux, hein, puisque c'est ça la traduction en français, ça fait un peu partie de mon ADN, mais j'allais dire de l'ADN de tout militant écologiste. Ça semble une évidence parce que dans notre vision, quand on a construit des partis écologistes, on a toujours eu une vision internationale, on a toujours eu une philosophie mondialiste. On a toujours eu par rapport au climat la position de dire, ou par rapport au nucléaire, que les nuages ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc, ça fait vraiment partie de nous. Moi, j'ai participé, bon, comme tu l'as souligné, hein, à la naissance des Verts mondiaux. J'ai été une de celles qui tenait la plume pour écrire la première charte des Verts mondiaux à Canberra en 2001. Et puis, nous avons eu donc des congrès à tour de rôle dans chaque continent, donc ensuite à Sao Paulo au Brésil, à Dakar en Afrique, et celui-ci qui sera en Europe à Liverpool. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à féliciter les Anglais, même s'ils n'entendent pas. Au final, c'est un parti qui est un de ceux qui a le moins de moyens en Europe, qui a évidemment le moins d'élus, et qui considère les Verts mondiaux comme quelque chose d'important. Donc, c'est vraiment bien. Alors, je crois que cette construction des Verts mondiaux qu'on a essayé de mettre en place depuis des années est quelque chose de très important pour nos militants. Pour nos militants, pour nos adhérents, pour nos élus locaux qui souvent sont isolés, là où ils sont, dans leurs petits groupes locaux, partout. Parce que c'est une manière pour eux de s'inscrire dans un mouvement mondial. Et c'est particulièrement vrai aussi pour tous les petits partis verts. Là où le bas blesse, c'est que quand on monte dans la pyramide de nos partis, dans là où nous avons des élus dans les parlements, les gens ont plus le nez dans le guidon et en voient moins la nécessité. En tout cas, ils sont plus pris dans les affaires nationales. Alors, j'ai beaucoup d'interrogations sur ce que nous avons tenté de mettre en place et sur le bilan. Comme je l'ai dit, moi, j'étais une farouche partisane et ça me tenait énormément à cœur. Je dois dire que quand même, quand on a fait notre premier document politique, nous étions le seul mouvement international à avoir un document politique commun à l'échelle mondiale qui est non seulement une déclaration de principe, mais avec un programme d'action qui était la charte des Verts européens, notre objectif quand même, c'était où on place l'écologie politique dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et notre objectif quand même, c'était de dire on essaye à l'échelle mondiale de faire percer cette voie politique. Or, force est de constater que, notamment à cause des systèmes électoraux que a bien expliqué Carmen au Canada, mais on a les mêmes à des degrés divers partout, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et on reste partout dans le monde, dans des systèmes politiques avec 2 blocs majoritaires. Si je veux faire caricatural, c'est la social-démocratie d'un côté et le capitalisme de l'autre. Mais en tout cas, nous n'avons pas encore, et en tout cas, nous n'avons pas réussi à faire percer
cette troisième voie de l'écologie politique au niveau politique. Donc ça, c'est un des grosses difficultés auxquelles on s'est heurté, la deuxième. Et Bintou, donc ma collègue africaine, qui est une amie depuis une trentaine d'années, avec qui vraiment on s'est retrouvés dans beaucoup de combats communs, en est une bonne illustration. Elle a beau être bibliothécaire, professeure, être vraiment très impliquée dans la vie politique. Elle a été candidate au présidentiel au Mali il y a longtemps maintenant. On voit les difficultés insurmontables que nous rencontrons pour parvenir à une organisation mondiale. Nous, évidemment, nous sommes là avec notre MacBook Air. Moi, il vaut 1 700 €. Je connais peu de militantes africaines qui peuvent se permettre ça et qui peuvent, du coup, participer à une conférence sur une webcam. Donc, en réalité, on a des difficultés d'organisation pour ces verts mondiaux, de moyens, notamment avec, évidemment, toute une partie de l'Inde ou de l'Asie, avec le continent africain. On se retrouve très souvent à parler ou à s'exprimer en tant que vers mondiaux, en fait, en étant beaucoup des occidentales, il faut le dire, des occidentaux. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Bon, pour terminer quand même sur une note positive, une fois que j'ai dit tout ça et notre achoppement, en tout cas en termes de réalisation politique, je suis quand même convaincue qu'il faut continuer. Il faut continuer parce que ça fait partie, de notre philosophie de départ et qu'on n'a pas de raison de la renier. Deux, pour une raison très simple, c'est que si on arrive à mieux valoriser les verts mondiaux et la réalité de ce que sont les écologistes partout dans le monde, ça permet à chacun dans son engagement local d'avoir un certain recul par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce nez dans le bidon et par rapport aux enjeux nationaux. Ça permet de reprendre de la hauteur, de revoir ce que sont réellement les enjeux de l'écologie qui sont forcément mondiaux. Donc en clair, si vous voulez, et puis ça permet évidemment tout un tas d'échanges. Ça nous permet, là où on rencontre les contradicteurs sans arrêt dans notre quotidien d'élus ou militants, de se reposer sur des exemples précis de gens partout dans le monde et de défendre les positions du Sud en ayant la voix des gens du Sud et pas simplement ce que nous en pensons. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, il faut continuer parce que je pense que c'est la seule manière finalement, et vous voyez, c'est la seule chose à laquelle j'ai accepté de participer depuis 2 ans, c'est la seule chose qui peut nous redonner un peu de pêche. Merci beaucoup Catherine, je suis assez flattée que tu dises que c'est quelque chose que tu as enfin accepté depuis 2 ans et j'espère qu'en tout cas on te retrouvera encore. Donc ton message de « il faut continuer », je pense que c'est un assez beau message de conclusion. J'avais envie de dire 2-3 petites choses. Tu as cité les Anglais qui nous reçoivent à Liverpool, c'est important parce que nous avions décidé ça avant le Brexit, c'est encore plus important aujourd'hui parce qu'on discutera également de la question du futur de l'Europe et Dieu sait si les Verts doivent avoir une parole forte sur cette question. Il y aura évidemment aussi une nouvelle résolution sur l'avenir des Global Greens et comme tu le dis, sur l'importance de continuer cette structure qui permet à nous tous de sortir de l'isolement de son parti. Et Dieu sait combien c'est bien de parfois prendre un peu de distance par rapport à son parti et dire, comme on dit en français, c'est sortir le nez du guidon et d'avoir des échanges d'expérience. Donc, il faut continuer. Alors, c'était notre premier webinaire, enfin, moi, en tout cas, moi, mon premier, je pense que c'est ça. Je sais qu'il y a, dans les participants, il va y avoir une frustration parce que plusieurs d'entre vous, vous avez demandé d'intervenir. C'est vraiment difficile à gérer parce que si j'en laisse intervenir l'une ou l'autre, j'en ai vraiment plusieurs, ça risque de nous mener très loin. Donc on va évaluer évidemment la formule d'aujourd'hui, je crois qu'on doit évaluer. C'est toujours mieux évidemment de se retrouver autour d'une table en face à face pour discuter, mais je crois ici que le système technologique est quand même aussi un bon système. Donc je tiens à m'excuser, je ne peux pas donner la parole à toutes celles qui l'ont demandé, mais je tiens en tout cas à remercier tant celles qui ont pris la parole que toutes celles qui ont donc assisté. Et j'espère en tout cas pouvoir vous retrouver, certaines européennes là
à Glasgow et d'autres et nous autres à Liverpool. Voilà, je ne sais pas si Kelly a envie de dire un petit mot, non? Voilà, merci, en tout cas, elle était là bien attentive et on va certainement retenir plusieurs de vos idées. Voilà, merci à vous. Moi, je voudrais vous remercier, Evelyne, Kelly, pour la bonne modération. Et je suis très contente de connaître Catherine et Carmen et d'avoir de leurs expériences. C'était vraiment une bonne expérience pour nous tous. Merci Marie-Thérèse. Au revoir. Au revoir Carmen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir Catherine. Au revoir.